Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, un nouvel épisode à l'aube du 217e jour. Les jours avancent, mon personnage évolue, mais bon, c'est pas des grandes choses découvertes. J'ai profité un petit peu du temps que j'avais ces derniers jours pour aller explorer un petit peu la zone par ici. Parce que donc je vous avais montré, c'était de ce côté-ci, la dernière fois que j'avais donc trouvé un emplacement avec un spawner de squelettes que j'ai gardé en état, et puis surtout, eh bien, un filon de fer, ou peut-être deux. J'ai l'impression qu'il y a deux zones, et donc j'ai récupéré pas mal de fer. Ce qui me permettra de faire énormément de choses par la suite. Et en me promenant un petit peu, eh bien, j'ai découvert une mine abandonnée, la mine shaft. Alors, si je dis pas de bêtises, hop. Ouais, bien sûr, je commence bien. Oh, j'avais pas vu celui-là. Oh non, je m'en fous. Hop là. Oh mais bon, je fais n'importe quoi. Allez. Mais c'est magnifique. Bon, bah écoutez, c'était pas prévu ça, mais voilà. Ah bon, voilà déjà 6 de plus. En bas, c'est quoi? Non, je pourrais me faire mal quand même là. Alors, je voulais vous montrer. Hop. C'est pas du tout par là. Bah, bien sûr que non. Oh, bien sûr, je vais pas le retrouver. J'aurais pas dû passer par ici. Allez, je perds un petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Pardon les chiens. Les loups. Oh, les animaux. Alors, est-ce que c'est là? Oui. Voilà. Bon, j'arrive pas du tout par le chemin officiel. Mais voilà. Alors, je me suis installé. Ici, je me suis fait une petite installation. Hop, pour pouvoir grimper à ce niveau-là. Et vous voyez cette mine un petit peu bizarre en fait, qui est à l'intérieur d'une grotte, avec donc ces extensions ici. Ça s'arrête là, et puis quelques petits morceaux comme ça. Mais ça n'a vraiment pas la structure en fait classique d'une mine abandonnée. J'entends pas mal de bruit là. Ouais. Voilà, en dessous. Eh ben oui, il est arrivé. Je l'ai pas regardé. Bon, eh ben, il est où? Vous croyez qu'il va revenir? Oh ouais, il est pas loin. Donc voilà, je viens de croiser le regard d'un Enderman. Et comme je suis caché dans une zone où il n'y a que deux blocs, il peut pas venir. Il peut pas venir ici. Alors si je fais ça, non, il viendra pas mieux. Bon, allez, on y va. Est-ce qu'il va me suivre? C'est pas sûr. Alors voilà. Si, il m'a suivi, je sais pas où il est. Bon, là je prends peut-être des risques inutiles, mais en même temps, ce n'est qu'un Enderman. Ah. Vous entendez? Il y a du squelette qui se promène. Et cet Enderman. Bah, cette vidéo va être complètement décousue. Parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Je voulais juste me faire une exploration de cette zone. L'Enderman ne supporte pas l'eau, donc il va pas venir ici. Là par contre, il pourrait venir là. Hop, je me replanque dans l'eau. Et je retourne par là. Alors, il est où, le v'là? Allez, viens là, viens là. Ouh, en plus, il est tombé. Allez, il se fait latter par les loups. Et ils l'ont eu. Bravo les loups. Allez, on va chercher
le petit œil qui potentiellement pourra me servir à un autre moment. Ouais, je t'ai pas vu arriver, toi. Voilà, c'est fait. Bien joué, les loups. Le voilà, l'autre. Il est où? Il tire par là, donc il est là. Non? Oui, il est là. Allez, les loups. Hop là, c'est fait. Ah, très très bizarre cette mine. Peut-être pas obligé de manger tout ça d'un coup. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es là. Ils sont là. Hop, j'ai vu l'autre là-bas. Là, lui. Quoi? Non, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah. C'est ça, battez-vous entre vous. Ah non, je n'ai rien récupéré. Alors voilà, j'avais comme objectif de me balader ici et d'aller exterminer un petit peu les mobs. Et ben, je le fais, mais alors avec beaucoup moins de précision que ce que j'avais imaginé. Je vous prie de m'en excuser, ça va être un peu brouillon. Alors, ici, c'est toi. Là, ça n'a pas l'air d'être top non plus. Voilà. Écoutez, je vous propose d'aller explorer un petit peu tout ça, mais je vais peut-être vous passer ça en accéléré de manière à ce que ça vous soit pas trop désagréable. C'est parti. Ah. Enfin un trésor avec donc des baies lumineuses et des choses un peu moins intéressantes. Efficacité 5. Bien. Bon, et ben, il va falloir que je revienne pour récupérer tout cela. J'entends. J'entends un spawner à squelette quelque part, pas très loin, mais j'arrive pas à le repérer au bruit. Très étrange, alors. Puis là, j'entends plus rien.
c'est pas par là. Ok, on arrive là. Bon. Franchement, une exploration pas simple. Et je me sens pas du tout préparé. Donc il va falloir que je revienne avec peut-être un peu plus de place dans mon équipement. Et peut-être un peu moins d'animaux avec moi, parce que là j'ai l'impression qu'ils me gênent en fait. Donc je vous épargne ça. Voilà, c'était un petit épisode, bien sûr. Un petit épisode, disais-je donc, pour vous redonner des nouvelles après ce passage le premier de l'an. Vous remercier d'être aussi nombreux à regarder mes petites vidéos. J'ai une vidéo là qui a passé le cap des 400 vues, c'est énorme pour moi. Donc voilà, écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais donc continuer à aller visiter. Oh là, oh là, oh là. Aller visiter donc cette mine shaft, vérifier s'il n'y a pas d'autres trésors que celui qu'on a déjà trouvé. L'efficacité là déjà c'est pas mal, c'est sympa. Et hop, toi t'es tombé et t'es mort. Et puis j'ai encore, vous l'aviez vu dans les autres vidéos, j'aimerais bien ouvrir un portail ici là, à cet emplacement là, pour voir si ça m'amène dans un petit coin du Nether un peu plus sympathique que celui où j'étais la dernière fois. Il y a encore les deux villages, trois villages je crois, dans le désert. Alors peut-être juste pour aller chercher le dromadaire, parce que ça je l'avais dit et je le ferai. Il va falloir que je m'occupe de mes animaux là. Voilà, histoire de faire une sorte de petite ménagerie. Voilà, toi c'est pareil, c'est fait. Allez, je traîne pas trop, c'est la nuit. Et en hardcore, c'est jamais simple. Ouais, une pelle c'est sympa, mais non. Plus trop besoin de ça. On va remettre le fer. Hop. Par ici. Donc vous avez pu voir que j'ai. Ah, oublié. Oh là là, ouais, maintenant je suis carrément à l'arrache là. D'accord. Et ben donc j'ai plein de choses que je n'ai pas faites. Alors, ici, ça c'est fait. Ça, on libère. Oh là là, bon, donc je disais, il faut que je fasse le vide. Hop, je fais le vide de tout ça, je vous dis à très bientôt, et je vous referai un petit point avec, avec tout l'équipement et tous les éléments qui ont été mis en place. Les fours ici, les hauts fourneaux qui n'ont plus, si ça y est, c'est bon. Oh, j'aime pas entendre les chiens qui se plaignent, hop là. Voilà, donc là il y a du taf encore, il y a pas mal de choses à faire. On va ranger tout ça, on va faire le ménage, et puis je vais tenter d'avancer un petit peu dans les rangements pour pas vous obliger à ça. Et m'occuper bien entendu des loups qui sont en train de grogner, de dire que tout va bien mal. Hop, poser la nouvelle table d'enchantement ici. Hop, ça c'est fait. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis. J'ai entendu quelque chose. Non. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je fasse, que je parte par ici, que je parte à nouveau dans le désert.
Si vous voulez que j'aille chercher le chameau, je pense que ça sera peut-être un des prochains objectifs, en vidéo bien entendu. Je vais retourner dans le mineshaft bien, pour aller faire le vide de ce que j'ai laissé et m'occuper de ma petite meute là qui n'est pas bien. Oh oui, toi t'es vraiment pas bien. Hop là. Et donc pour cela, aller refaire le plein dans les autres villages. Je vous dis à très bientôt. Salut!